ثم الإرهاب يا ليش نروح Paris et ces Jeux olympiques étaient attendus par les Algériens aussi. Dire que la communauté algérienne en France est la plus importante communauté étrangère dans ce pays. Et qu'en performance, on ne s'attend pas à grand-chose de la part des sportifs algériens. Parce que ce qui intéressait les responsables algériens, c'est uniquement les footballeurs formés par la France. Le reste, on s'en foutait. On ne cherchait pas à les avoir. Eh bien, le hasard a voulu que l'un des plus beaux fleurons de la gymnastique française, qui devait concourir pour la France, a été contrainte. Elle n'a pas fait ce choix de gaieté de cœur. A été contrainte de changer de couleur et de concourir pour une nationalité qu'elle avait oubliée, celle de son père. C'est Kaylia Nemour, cette jeune championne algérienne qui a algérienne, entre guillemets, hein, franco-algérienne. C'est une championne franco-algérienne. Eh bien, cette jeune fille qui a décroché une médaille d'or qu'elle avait offerte à un pays où la discipline qu'elle pratique est complètement ignorée et compte parmi les sports les plus pauvres d'Algérie. Il est vrai qu'en 1964, pour sa première participation aux Jeux olympiques de Tokyo, après son indépendance, 2 années plus tard, l'Algérie avait pour porte-drapeau et pour seul participant un gymnaste qui était Mohamed Lazhari Yamani, qui faisait partie de l'équipe de France avant 62, avant 64. Et en 1964, on lui a fait appel et la France lui avait accordé une dérogation pour qu'il évolue sous les couleurs algériennes. Il n'avait pas beaucoup de chance pour remporter une médaille. En tous les cas, la gymnastique était la seule discipline qui représentait l'Algérie aux Jeux olympiques de Tokyo. Plus tard, plus de gymnastique, jusqu'à Paris 2024. Et jusqu'à cette fameuse médaille offerte par Nemour, qui est d'abord et avant tout française. Elle est née en France, de mère française. Elle porte un prénom qui n'a rien d'algérien, en les cas, ni d'arabe, ni de berbère. Elle est de culture française, cette fille. Elle ne connaît rien à la société algérienne ni aux coutumes algériennes. Elle a été poussée par des responsables de la Fédération française de gymnastique suite à une intervention chirurgicale au niveau de son genou. Et lorsqu'elle voulait revenir à la compétition, il y avait un conflit entre la Fédération française de gymnastique et son club. Et ce conflit a fini par dégénérer et Kaylia Nemour a perdu, ne pouvait plus participer aux Jeux olympiques, ne faisait plus partie de la sélection de France. Et là, sa maman lui dit, bon, on va se tourner vers l'Algérie, la nationalité algérienne. Donc, tu peux avoir la nationalité algérienne. Elle n'avait pas la nationalité algérienne. Elle n'avait ni passeport, elle ne parlait pas d'Algérie. Et en Algérie, on ne parlait pas d'elle. Elle était inconnue en Algérie. Et ben voilà. Allez, hop, la maman de Kaylia Nemour se souvient qu'elle s'était mariée à un Algérien et que donc sa fille peut avoir la nationalité algérienne, bien que son mari, c'est le papa de Kaylia, est français actuellement. Il est français par naturalisation. Allez, c'est bon, elle est algérienne et elle va concourir. Et la France, qui n'a obtenu aucune médaille en gymnastique durant ces Jeux, a pu lui échapper, lui filer entre les doigts une belle médaille d'or obtenue par cette Kaylia Nemour. Sauf que en Algérie, les coutumes font qu'on est hypocrite. Ah oui, on est hypocrite sur les bords. Cette hypocrisie s'est révélée à travers l'image que voulait donner de Nemour un journaliste algérien, en l'occurrence Hafid Derradji, qui est journaliste à Tinsport, et sur sa page Facebook, voulant fêter cette médaille d'or, il publie cette image où il dit « Première médaille d'or pour l'Algérie, la première dans l'histoire des Arabes et de l'Afrique, dans cette discipline ». Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, avec Photoshop, eh bien, on a habillé Kaylia Nemour d'une longue jupe. Eh bien, ça a suscité un grand tollé chez beaucoup d'Algériens d'abord. Chez beaucoup d'Algériens. Et puis, parce que même chez les Libanais. Là, on voit une agence de presse libanaise qui dénonce ce maquillage. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que chez les Nemours, on ne connaît rien d'Algérie. Ni de mentalité, ni rien du tout. Alors, comment on célèbre une victoire en France? En France, on célèbre une victoire en sabrant le champagne. Eh oui, eh bien, Kaylia Nemour l'a fait. Et la voilà. Et notre ami journaliste Fodil Ouarabah, un vieux journaliste, un vieux briscard de la presse, spécialiste du jeu de mots, hein, on voit bien, mais barre asymétrique. Et puis tous les commentaires étaient favorables à cette image. Ce sont des Algériens qui ont commenté sur la page Facebook de Fodil. Ils étaient tous favorables. Ça n'est parce que ce n'est pas des gens qui sont hypocrites. Parce que l'hypocrisie n'est pas le propre de tous les Algériens. Il y a une bonne partie d'Algériens qui sont hypocrites malgré eux. C'est-à-dire, ils sont nombreux à insulter la France, à ne pas aimer la France, mais ils veulent tous avoir un visa pour la France, s'installer en France et acquérir la nationalité française. C'est ça les Algériens. Eh oui. Eh oui. D'ailleurs, j'en connais un bout. Moi qui suis né avant 62, donc je suis né français, des sujets français, et je n'ai jamais demandé à réintégrer la nationalité française ou à me faire naturaliser ou à prendre la nationalité française, juste pour une question d'éthique et de morale. Et j'ai même interdit, je dis bien j'ai interdit à mes enfants, en arrivant à les convaincre qu'il n'avait pas lieu de se faire naturaliser français. Ils sont arrivés mineurs en France, ils ont tous des titres de séjour en bonne et due forme en France, ils doivent se contenter de leur titre de séjour, même s'ils ne mettent plus jamais les pieds en Algérie, tout comme leur papa. On ne met plus les pieds en Algérie. Mais ce n'est pas parce que on est dans la mouise qu'on va se dire « Ah tiens, je vais devenir français. Ah, moi je suis né, avant 62, je suis né français. » Non, non, non. J'ai pas choisi d'être algérien en 62, j'étais mineur, j'avais 7 ans. Mais aussi, c'est pas à l'âge de 40 ans, c'est à l'âge de 60 ans, qu'on va se dire, ah tiens, je vais prendre la nationalité française. Je suis arrivé à l'âge de 40 ans en tant qu'exilé en France. Mais c'est pas ça qui m'a l'inciter à demander l'interité française. Donc, pour rester conséquent avec soi-même, pour revenir à cette histoire de Kaylia Nemour, donc on a vu ce champagne. Cette photo, on ne la voit pas sur les chaînes de télévision algériennes. On ne la voit pas dans la presse algérienne. Eh oui, hein, c'est la tartufferie, ça. On est tous des tartuffes. Cachez-moi ce champagne que je ne saurais voir. Et d'ailleurs, voilà ce qui a donné à Hafid Derradji. Hein, donc, lui n'aimerait pas voir ce verre de champagne. Et d'ailleurs, certains commentateurs de la page Facebook de Fodil Ouarabah, sur le ton de la plaisanterie, ont suggéré à Hafid Derradji d'user du Photoshop pour transformer ces verres de champagne en verres de jus d'orange, ou en disant tout simplement que c'est du champogny, c'est sans alcool, dire tout simplement c'est du jus de pomme. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas admettre qu'une jeune fille de 17 ans, algérienne, fête sa médaille avec une coupe de champagne. C'est du jamais vu, parce que on veut croire, au fond de même, que Kaylia Nemour est une Algérienne pure souche, 100%. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Cette fille de culture française, elle est née en France, maman française, elle est née dans une famille française. On a vu, ben, tous ceux qui l'entourent ne parlent pas un traître mot d'arabe ni de kabyle. On a bien vu que lorsqu'elle était arrivée à la résidence, quand elle a quitté la cérémonie de la remise des médailles, a été retrouvée les siens, tout le monde parlait français, sauf sa grand-mère, qui était avec un foulard. Elle était la dernière qu'elle a été embrassée. Donc, laissant cette jeune fille dans son élément naturel, elle est française, elle le demeurera, elle ne changera jamais. Une fois la gymnastique terminée, plus d'Algérie pour elle. Et elle n'est pas la seule, parce que des millions d'Algériens fuient l'Algérie à bord d'embarcations de fortune parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'Algérie. Voilà, donc il faut arrêter avec ce cinéma. Et on voit ici, on a quelques images. Je crois qu'on a bien une image de ces Algériens qui fuient l'Algérie à bord d'embarcations de fortune. Non, je ne les ai pas ici. Voilà. Donc, c'est sans cette hypocrisie qui est le produit d'un système. C'est le système algérien qui produit cette hypocrisie, qui fait de la société algérienne une société hypocrite. Autrefois, ça n'existait pas. Quand on voit les images des Algériades, dans les années 70, on voyait des jeunes filles défiler dans les rues d'Alger, dans les rues de Annaba, Dorante, Constantine, dans les stades, hein, avec les mouvements d'ensemble, en tenue comme celle de Kaylia Nemour. Personne ne s'en offusquait. Et plus tard, la frustration aidant, la pauvreté dans laquelle s'est enfoncé le peuple algérien, bien, on a fini, non pas par retrouver une pudeur, ou retrouver, non, 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 tout simplement, on a fini par devenir des hypocrites. Comme je disais tout à l'heure, personne n'aime la France. Et ben, en Algérie, on est pour le voile, pour la barbe, pour la gandoura. Mais quand on va en France, si on nous demande de se raser la barbe pour avoir la nationalité algérienne française, on nous demande d'enlever le voile pour avoir la nationalité française, ben on le fera. C'est ça. C'est ça. C'est pas la conviction, c'est l'hypocrisie. Malheureusement, l'Algérie est ainsi faite. C'est malheureux de dire, mais c'est ça le produit des systèmes. système hypocrite, un système de voyous, un système qui fait du chantage et de la fraude et de la répression des instruments de gouvernance. Voilà. Passons maintenant, on est toujours au sport. Tant qu'on y est, on va parler du football et faire une petite comparaison avec ce qui se passe avec nos voisins marocains.